Bonjour, nous sommes les têtes à classe des élèves de CE2, CMA, CM2 de M. Dulandel. L'an passé, nous avons concentré nos recherches sur les abeilles, ces petits insectes fascinants qui nous ont tant appris sur le monde qui nous entoure, mais aussi sur nous-mêmes. Au-delà de l'impact écologique qui pose sur leurs petites ailes, le fonctionnement de la colonie, la communication, l'apprentissage et l'attachement qu'elles éprouvent entre elles sont tant de choses qui nous ont amenés à l'étudier à l'aimer. Le tout fut possible grâce à l'aide du grand spécialiste Martin Durfa. Une année de recherche donc qui nous ont amenés à mieux comprendre cet insecte incroyable et emblématique d'une problématique écologique majeure. Nous vous invitons d'ailleurs à retrouver l'ensemble de notre travail sur le site Wapiti qui nous ont fait l'honneur de diffuser nos recherches. Le lien sera en barre d'infos. À la fin de notre année de recherche, nous nous sommes demandé si la communication et les émotions étaient une des caractéristiques propres aux vivants. Un nouveau projet s'aventurier était en route. Nous avons donc dû rechercher et déterminer ce qu'est un vivant. Nous pouvons donc affirmer que les végétaux sont bel et bien des vivants, qui, comme tous les autres êtres vivants, naissent, grandissent, meurent, se nourrissent, respirent et se reproduisent. Mais communiquent-ils ? Ressentent-ils des émotions ? C'est là que notre projet commence, et c'est avec l'aide du chercheur au CIRAD, Kevin Candelier, que nous allons tenter de comprendre la communication végétale. Nos premières lectures et découvertes se basent sur les comptes rendus de recherche du spécialiste en la matière Peter Wohlleben avec ses œuvres « Écoute les arbres parler » et « La vie secrète des arbres ». Beaucoup de questions sont encore sans réponse et tant de recherches sont encore à faire pour déchiffrer le langage des arbres. Merci d'avoir regardé notre vidéo. À très bientôt.